c'est ton cas, c'est Africa numéro 1. Hey, tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de Camerounis aigu. C'est une maladie de luxe tropical. Qui tu es qui rentre déçu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la salité? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop. Aïe, il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous. On veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouliens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me nerve mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que t'es peu de zico, tu vas épouser une bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi. Tu es seulement quoi. What's up, ne bengue la fils te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier. Beaucoup de peuples, chacun vit avec sa part de hélélé. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité. La jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un broukoukou. Nerveux dès le matin, périphère. Ne me parle pas de balayer mon poids. Popole n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu rimes ton jackpot là, l'ancha, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Ton qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton rêve de Ben se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les bêtises fessent le stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le WC est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonjour tout le monde. Les sujets sont là. Tout le monde peut voir les sujets. Les sujets sont là. Eh bien, quand nous disons qu'il y a un complot contre notre pays, on nous dit non, Abdel, vraiment, vous aussi. Bon. Nous avons trois sujets.
Je vais commencer par le dernier sujet. Affaire histoire, affaire foncière au Cameroun. Je vais parler de ça. Je vais faire une proposition au président de la République. Parce que les gens vont nous créer une guerre au Cameroun. Vous savez, quand les gens sont dans un complot où ils veulent créer une guerre, tout ce qu'ils auront sous la main sera bon pour eux pour utiliser, pour embraser le pays. Alors, ils se sont donc tournés vers le foncier au Cameroun. Je vais d'abord féliciter le ministre du domaine des affaires foncières qui a pris une décision d'annuler un certain nombre de titres fonciers. Mais pourquoi on ne parle plus de faux titres fonciers et de doubler titres fonciers sur une parcelle du territoire, d'un terrain quelque part? Il faut que le président de la République écoute mon conseil. Moi, je n'ai pas la sagesse infuse, mais je peux penser que ce que je vais dire tout à l'heure, ça peut résoudre le problème. Ça peut résoudre le problème. Je pense que même pour beaucoup. Parce que le problème, c'est le démantèlement de l'État qu'il est. Actuellement, là, nous parlons avec des gens qui sont en face de nous. Ils n'ont pas pour but de prendre le pouvoir. Le but, c'est de démanteler notre État. Et pour démanteler un État, c'est facile, il faut l'affaiblir. Alors pour l'affaiblir, il faut donc galvauder des documents de l'État. Que du moment où tu peux avoir un document comme ça, tu dis ça c'est mon titre foncier. Je l'ai obtenu en 1975. Tu es fier de le présenter comme ceci. J'ai obtenu ce titre foncier en 1975. Mais un autre Camerounais vient vous montrer sur la même parcelle. Il vous brandit un titre foncier. Moi, ça, c'est mon titre foncier. Je l'ai obtenu en 2015. On donne ce Camerounais raison. On vous dit non, il y a deux titres fonciers sur cette parcelle. Il faut faire appel au tribunal administratif. En passant, celui qui a obtenu son titre foncier en 1975, il est décédé. Ses enfants n'ont pas les moyens que lui avait en 1975. Ses enfants ne peuvent pas supporter le poids des appels au tribunal pour ce parcelle de terrain. C'est ça qu'on appelle le démantèlement d'un État. C'est affaiblir l'élément principal qu'est le titre foncier, mes chers amis. Quand on réussit à galvauder un titre foncier dans une république, on est en train de démanteler l'État à la racine. S'il vous plaît, partagez le direct. Parce que le titre foncier, c'est l'acte de naissance comme vous avez là. Personne d'entre vous ne peut faire une carte d'identité s'il n'a pas d'acte de naissance. Personne. Personne d'autre ne peut avoir votre identité avec votre nom
votre âge, nom du père, nom de la mère, il vient brandir devant un juge que c'est mon enfant. Personne d'autre. Il n'y a qu'un papa et une maman qui peuvent se discuter un enfant qu'ils ont eu ensemble. Il dit, je veux que l'enfant reste avec moi. C'est la même chose au niveau du titre foncier. Je vais vous parler de deux affaires. L'affaire de M. Atangana Marius et l'affaire du terrain de Kateko à Douala, à Yaoundé. Ça fait mal. La République, l'État doit savoir que dans une capitale, c'est d'abord un village avant d'être capitale. Yaoundé est d'abord un village. Étant un village, personne, il n'y a aucun Camerounais qui sera fier qu'on vienne dans son village. On récupère tous les terres. Il se retrouve qu'il n'a même plus là où enterrer ses parents. Ni son fils ne peut plus enterrer. Il devient un nomade chez lui. Dit-on, la ville s'est installée dans son village. Soit nous tous, nous adorons le modernisme. Mais prenons la place des autres. Prenons la place des autres. Et si c'est nous qu'on vient faire ça chez nous dans nos villages, on sera content. Pourquoi on fait ça aux Eono? Pourquoi on les fait ça? Pourquoi on les fait ça? Tous les bafias qui sont passés au ministre des domaines, ils ont fait un sale boulot. Madame Kouabesque, sale boulot. Anon Adibime, sale boulot. Beloken, sale boulot. Ils n'ont que fait du bordel au ministère des domaines. Les bafias qui sont passés là-bas. Quoi? Mon frère, moi je suis en train de faire le jeu. Moi je ne suis pas séparé, Jean. Moi je sais que ce monsieur c'est un menteur depuis. Donc, vous suivez un menteur? C'est des menteurs, ils n'ont rien à dire. Donc, qui le suivent? Moi, je ne peux pas perdre mon temps à le suivre. Pour m'asseoir, s'il dit qu'il veut suivre Rémi, bon, c'est un menteur. Oui, tout à l'heure. Il faut que les gens comprennent qu'avant que ce soit la capitale du Cameroun, c'est le village des autres Camerounais, comme nous, comme chacun de nous a un village.
Le seul cimetière qui les restait. Moi, je suis au Canada. Je pars au centre-ville de Montréal. Vous allez trouver une barrière. En plein centre-ville. Une barrière. On va vous dire, c'est le cimetière. Ça date de 1700. En Afrique. Dit-on que là-bas, les Africains avaient la tradition ils ont trouvé il faut exhumer. Je vois ce qu'on est en train de faire au cimetière de l'Omnisport. On exhume les corps doucement, doucement. C'est quoi ça? Monsieur le Président, je vais vous faire une bonne proposition. Pour l'histoire des cimetières au Cameroun. Il faut que des gens aient du respect pour les morts. Il faut que les gens arrêtent avec cette histoire. Il faut que les gens aient du respect pour les autres qui sont morts. Tout ce bordel qu'on est en train de vivre au Cameroun, histoire de petites fonctions au Cameroun, ça a été organisé par les Bafia. Ils ont foutu le bordel au ministère des Domaines. On a le résultat aujourd'hui. Il faut que le président Biya les arrête tous. Parce que les gens s'organisent pour démanteler l'État. Parce qu'à l'allure, c'est en train de partir. Si on ne sonne pas le tocsin pour dire stop, on va aboutir à une guerre. Quelle est cette histoire? Des gens prennent le courage où? Pour dire qu'il faut exhumer un cimetière. Je dis, je suis au pays des Blancs. On dit la modernité. En plein centre-ville, on vous encercle le cimetière. On dit que ça, c'est le cimetière. Il date de 1700. En Afrique. On vous dit non, c'est le développement. Il faut exhumer. Il faut avoir du respect pour les morts. Je dis, il faut avoir du respect pour les morts. Il faut que le président de la République sorte un décret. On arrête les exhumations qu'on fait doucement, doucement au cimetière de l'Omnisport. On arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce que trop, c'est trop. Je vais vous passer la fille de M. Atangana, Maurice. Écoutez ce qu'elle dit. Elle a un titre foncier. D'où ça sort que tu as un titre foncier antérieur? Quelqu'un sort avec un titre foncier de 2000. On te dit qu'il faut aller au tribunal parce qu'il faut attaquer. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Je vais faire une proposition au président de la République. Il faut que le président de la République. Il faut mettre les gardes-fous.
assorti d'une sanction pénale. C'est ça qui est la question. C'est pour ça que je vous dis, des gens ont mis une stratégie sur pied pour demander notre état. On ne va pas les laisser. Et quand c'est comme ça, vous savez qui on va appeler? On va chercher le moins cher. Le moins cher, c'est le président Biya. Tu vas au cadastre. Dans une république, quand les gens ont le courage de prendre le livre foncier de la république, ils ouvrent le livre foncier de la république, ils arrachent les pages. Le livre, je dis bien le livre foncé de la République. Comme ça, ils ouvrent le livre foncé de la République, ils arrachent les pages pour faire disparaître les preuves. Le livre foncé de la République. C'est-à-dire, l'acte foncé de la République. Les fonctionnaires arrachent les pages, moyennant agent. Pour te donner gain de cause. Parce que tu l'as donné de l'argent. Comme le dit, il ne sait pas faire. Il te dit que, on peut arracher les pages du livre foncé. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Je dis que ces gens qui sont... Je dis qu'il faut les mettre tous en prison. C'est-à-dire qu'il faut les condamner même à mort. Le livre foncé d'un État. Vous partez là-bas, les pages sont arrachées. Ce sont des fonctionnaires. À un certain moment, si on refuse de poser sur la table les vrais problèmes qui minent notre pays, les gens viennent nous faire de la diversion. Quand les gens arrivent à ce stade d'arracher les pages du livre foncé de la République, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ouais. Phoebe, est-ce que tu comprends ce qu'on... Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le livre foncé? Tu sais ce qu'on appelle le livre foncé? Mon frère. C'est le livre qui recèle tous les titres foncés de la République. C'est ce qu'on appelle le livre foncé. Les pages arrachées. Il faut que le président de la République, je vais lui pour faire des propositions. Parce que le président de la République a besoin qu'on lui fasse des propositions. Trop, c'est trop. Des gens s'organisent à démanteler la République qui nous a vu naître. Tu prends ton titre foncier, tu amènes là-bas. Tu dis que mon titre foncier, je l'ai obtenu en 1975. On prend le livre foncier, on cherche le numéro de ton titre, on ne voit pas. Et ces gens... te regarde droit dans les yeux. Il te dit, madame, on ne trouve pas votre numéro. Et au même moment, ils te disent, il faut aller attaquer le titre foncier qu'on a fait là, on ne sait pas d'où on a fait. On l'a établi où? Dans le même ministère. Vous pensez qu'on peut établir un titre foncier sur un terrain que l'État a
Donner un titre foncier, c'est ça. Deux fois. À quoi sert le cadastre? À quoi sert le cadastre? Qu'on délivre un titre foncier sur une même parcelle à 3, 4, 5, 6 personnes. À quoi sert le cadastre? Ils ont démantelé notre État et ils veulent qu'on dise que c'est le président Biya. Non, on ne va pas vous laisser. Mon frère, on va vous combattre. Quelqu'un tombe, d'autres personnes sortent pour récupérer le combat. On ne va pas vous laisser. Quand des gens arrivent à aller déchirer les pages du livre foncier de la République, vous voyez où ils sont allés? C'est Paul Biya. Ils viendront vous dire, c'est Paul Biya. C'est ça. Vous prenez les populations autochtones de Yaoundé. Se retrouvent qui n'ont plus personne. Les élites les ont tourné le dos. Moi, quand je grandissais, quand on quittait le quartier Mvokada, Je le dis tous les jours ici. Moi, je suis un gars de Vokada. Grandi derrière le collège Montesquieu. Si quelqu'un a été en Vokada, en 1980, là où il y avait le CNG là, c'est notre maison. C'est là où nous on a grandi. Cette maison, à l'époque, comme il y avait des gens qui construisaient des maisons et ils donnaient les maisons à l'État. C'est l'État qui logeait les fonctionnaires. Et ces messieurs étaient donc payés. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand moi, je grandissais, quand on était souvent impressionné par les gros billes de bois, on quittait en Vokada. On partait au carrefour Coron. Il y avait une série là. Rien que la manœuvre qu'on voyait, on tournait les billes de bois, les caterpillars, avec les pinces, c'était pour nous extraordinaire. À côté là, là où il y a l'agence de voyage, Central Voyage, là, c'était la base de Kateko. Là où on vendait les véhicules Lada. Aujourd'hui, on apprend que le monsieur qui a Central Voyage, c'est son terrain, il a le titre foncé. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais il a eu le titre foncé là-bas quand? Qui lui a vendu? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que les euros ne nomment personne. Ils n'ont personne qui venait interjeter pour eux. Quand tu es pauvre, c'est comme ça. C'est malheureux. Ils n'ont personne. Les élites sont engluées dans une corruption à tout azimut. Ils abandonnent leurs frères. Ils n'ont même plus. Là où ils vont enterrer leurs morts. Ça n'existe plus. Même le cimetière, on cherche à enlever les morts. Parce que les gens apprennent. Non, il faut construire les maisons sur ça. D'où ça sort? D'où ça sort cette culture? Qu'il faut exhumer les corps. Ça sort d'où?
on exhume les corps dans le cadre d'une route nationale, départementale. C'est quoi ce genre de comportement? Chaque Camerounais a un village. Il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas un village. Quand vous faites ça aux autres, vous croyez que parce qu'eux, ils sont morts, comme ils sont morts, ils n'ont personne. Ils ont arraché le terrain de ce papa. L'autre qui est en face a ravi. L'autre qui a le collège, c'est en tout. A ravi. Ils consomment comme d'une là-bas chez Atanganamarus. Ils ont ravi. Ils ont demandé à la famille d'Atanganamarus d'aller attaquer la décision au tribunal administratif. Mais on va attaquer la décision au tribunal administratif sans agent. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Monsieur le Président, demandez au ministre du Domaine et des Affaires foncières de vous apporter le livre foncier. Vous serez surpris. Des pages arrachées. Monsieur le Président, on les appelle fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires d'une république qui tiennent le livre foncier d'une république avec des pages arrachées. Mais il est content de dire qu'il est assis dans un bureau. Ce monsieur, ces gens de ce service sont à pendre. Ils veulent la guerre au pays. Quand vous arrivez à arracher les pages d'un livre, le livre foncier de la République, vous arrachez les pages. Vous faites disparaître les preuves des titres fonciers antérieurs. Monsieur le Président, on ne peut plus laisser. Monsieur le Président, on ne peut plus laisser. Sinon, tout ce que vous faites là, quand vous ne serez plus là, ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue. Ils sont en train de démanteler la République. Ils sont en train de démanteler la République. Vous serez là-bas en haut. La République sera assise, il n'y a plus de fondation. Monsieur le Président, tout le monde n'est pas fait pour être riche. Tout le monde n'est pas fait pour être riche. Dans une république, il y a des riches. Je n'ai rien contre les gens qui sont riches. Je n'ai rien contre qui multiplient leur richesse. Mais un peu de décence. C'est la loi qui réglemente une république. Quand des citoyens d'un territoire commencent à mettre dans leur tête que je peux exhumer un cimetière, on est en train de franchir la barrière du bon sens.
on est en train de franchir la barrière du bon sens. Quand des gens mettent dans leur cerveau, non, on peut tirer un cimetière, on peut déplacer. C'est quoi cette histoire où ce sont des fonctionnaires qui sont devenus des brigands au ministère du domaine des affaires foncières? Vous croyez que M. Ibrahim ici va s'en sortir comment? Il n'est qu'entouré des brigands. Tous sont des brigands. Il va faire quoi? Tous les dossiers qu'on voit l'amener, ce sont les dossiers forts. Il va passer le temps à signer des faux documents. S'ils arrivent à arracher les pages du livre foncier de la République, vous imaginez ce qu'ils vont faire signer à M. Eyeba ici. Puisqu'ils arrivent à arracher les pages du livre foncier, vous comprenez qu'ils ne sont plus arrêtables. La seule chose qui vous reste à faire, monsieur le président, c'est de les mettre en prison. Tous! Sans exception. Et vous avez une raison claire, facile. Vous n'allez pas chercher. Prenez juste le livre foncier de la République. Donnez ça à un cabinet. Pour vérification. Vous allez voir la magie. Prenez juste le livre foncier. Vous allez voir les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, mon père peut avoir de l'argent. Ok. Chez nous, au village, à Bafia, je vais vous raconter l'histoire de mon père. Dans la famille de mon père, il est le seul qui est fonctionnaire. Ils sont 2, 3. Ils sont 5. Parmi les 5, c'est lui seul qui travaille. Lui, il est en ville, lui, il voyage, on l'affecte par-ci, par-là. Alors, il dit à ses frères, il faut qu'on borne le terrain. Il finance le bonheur du terrain les années 1974-75. Il obtient son titre foncier sorti en 1981. Son titre foncier est sorti. Alors, un bamois vient voir mon père. Il dit à mon père, mon papa, je veux créer une ferme. Je sais que tu as le terrain ici. Je veux que tu me donnes 1 hectare. Je veux créer une ferme. Mon père lui dit que moi, je suis dans une grande famille. Comme je te connais particulièrement, et tu aimes pas moi comme moi, on ne va pas te vendre, mais on va te donner juste francs symboliques. On te donne 100 francs symboliques. Mais tout ce qu'on te demande, vient avec la nourriture. Il vient avec la nourriture, avec environ 600 000, 1 hectare, terrain titré. Je dis bien terrain titré. Il vient avec la nourriture, on partage au village. On peut dire que non, c'est un enfant de la région, il veut faire une ferme. Ça peut aider les gens au village pour travailler. Il avait la volonté de faire et il a construit la ferme. Mais ceux qu'il avait mis pour gérer la ferme ont tué la ferme. Alors ils sont venus voir mon père. Il dit à mon père, comme tu n'as pas le temps d'aller sur Yaoundé, donne-moi le titre foncier, je pars à Yaoundé. Je veux qu'on fasse le mentionnement, on enlève. Mon père dit que mais on peut faire ça ici à Bafia, on fait tout ici à Bafia.
Ils vont là au Canada, ça va faire, les gens du domaine arrivent là, on fait les levées topographiques, tout ça, tout ça. Il revient encore un autre jour, jusqu'à jour contre là, je faisais peut-être deuxième année à Bafia. Il revient encore un autre jour, il partait, on avait mon père parvenu, il avait le titre foncé. Il est venu plusieurs fois. Il est venu un autre jour, il avait trouvé que mon père était malade. Mon père a dit que bon, tu es mon fils, tu es comme mon fils, va au titre foncé. Va avec, parce que notre terrain au village, la route avait divisé le terrain en deux. Il y a une partie du terrain côté droit, c'est 7 hectares. Maintenant, il y a une autre partie côté gauche, c'est 28 hectares. Donc la route passe au milieu. L'ancienne route de Bafia au Mbessa. On prend le titre foncé de 7 hectares. Comme lui, ça passait, c'est sur le terrain côté de 17 hectares. Dit, bon, mon père dit que pas avec ça, tu fais ce que tu as fait, tu rentres, tu es mon fils. Il est parti avec le titre foncé. Jusqu'à aujourd'hui, il est mort. On ne sait pas là où il a mis le titre foncé. J'ai dit, il est mort. On ne sait pas où il a mis le titre foncé. Sa veuve est là à Paris. Quand on demande à sa veuve que le titre foncé, j'avais fait ci, j'avais donné à tel, j'avais dit que bon, ok. Nous, on avait dit au village, est-ce que le terrain fouille? Le terrain est là. On les attend. Donc, vous voyez, c'est pas quelle manigance qu'ils voulaient faire avec le titre foncé. Donc, il faut que l'État du Cameroun fasse le nettoyage dans le ministère des Affaires foncières. Ce ministère a pour rôle de démanteler l'État. Quand on part regarder les qui ont mis l'homme dans ce ministère, on trouve que là-bas, les Bafia sont passés plein là-bas, ministre. Donc, c'est eux qui ont organisé cette mafia. Si je compte les ministères bamois qui sont passés dans ce ministère. Comme ça. Il faut que le président de la République botte le pied à la fourmilière. Parce que c'est une fourmilière. Mon frère, est-ce que vous ne voyez pas que c'est grave? Arracher les pages du livre foncier de la République. Vous savez ce que vous dire arracher les pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu arrives à la page 7. Il n'y a pas la page 7. Tu tombes à la page 8. Tu n'as pas lu la page 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a pas la page 14. Tu passes à la page 15. 16, 17, 18, 19. Il n'y a pas la page 19. Tu tombes à la page 20. Et ce monsieur te regarde, il te dit que mais madame, il faut aller attaquer donc ce monsieur-là au tribunal. J'attaque sur quelle base? Quand tu es incapable de me donner la copie de mon titre foncé de 1975. C'est ça qui me donne la force de dire que ce monsieur c'est un bandit. Et ces gens restent au Cameroun. Ils accusent le président bien. Non. Moi, je. Vous savez, c'est parce qu'on connaît tout ça. C'est pour ça que nous refusons. Je dis que je vais soutenir le président Biya jusqu'à. Je peux pas. Je peux pas.
Et la meilleure des choses que le président de la République doit faire pour régler cette histoire de titre foncé, la décision du ministre Iyeba ici de suspendre les titres foncés obtenus à l'intervalle de 2 années là, c'est une bonne chose. Mais moi, je propose au président quelque chose encore plus solide. Qui va faire en sorte que aucun, je dis bien aucun Camerounais, le Camerounais qui va se retrouver avec un titre foncier qu'il a obtenu sur un terrain qui a été titré pour une... qui a eu un titre foncier, il est coupé d'une prison. Je dis d'une terrible, voire même à vie. Monsieur le Président, vous avez, la Constitution vous donne ce droit. Tout Camerounais qui a un titre foncier, dont cette parcelle de terrain a à l'avance un autre titre foncier, parce que c'est dans ton intérêt d'aller au cadastre, vérifier qu'on veut me vendre un terrain à tel endroit. Est-ce que ce terrain n'a pas un titre foncier? C'est toi qui dis aux gens de cadastre, le terrain c'est dans tel quartier. C'est pour te protéger. Mais qu'est-ce que la loi dit? Non. Les gens du domaine peuvent vous fournir autant de titres que tu viendras. Puisqu'il va venir, il va dire que non, j'ai déjà versé de l'argent. Gars, moi, je vais négocier. Non, monsieur, la loi doit punir ce Camerounais. Parce qu'il sait qu'il est parti faire une vente sans aller vérifier au cadastre. C'est le rôle du cadastre pour empêcher les doubles, triples, quinté de titres fonciers. C'est le rôle du cadastre. On me vend un terrain à tel endroit. Le cadastre va te dire oui. Ce lot n'a pas de titre foncier. Le cadastre va te dire ce lot n'a pas de titre foncier. Voici le lot là dans le plan de la ville. Cet endroit-là, on n'a pas encore commencé à titrer là-bas. Tu es le premier. Ce n'est pas verbal, assorti d'un document, et c'est ce document qui va te protéger, toi, l'acheteur. Tu prends le document, tu mets dans ta maison, tu pars acheter le terrain, tu engages ta procédure d'immatriculation. Si ça sort que le pont de terre était titré depuis, c'est le fonctionnaire qui t'a délivré le document que le terrain n'est pas titré, il part à Konendi, direct. Monsieur le Président, la Constitution vous donne ce droit. Il faut que les Camerounais arrêtent avec cette manière de fonctionner où des gens ils disent j'ai l'argent, je vais aller corrompre la justice. D'où? Parce que c'est pour ça que moi, j'ai souvent de la peine à parler des juges. Le juge ne vient pas te voir. Tu le trouves chez lui, tu le trouves au tribunal. Vous commencez à venir lui voir. Il n'a appelé personne. Alors, on se retrouve dans le règne de le plus fort. Celui qui a plus d'argent gagne le procès. Le titre foncier dans des pays bien organisés, c'est une valeur refuge. Il n'y a que l'État. J'attends souvent un mot là qu'on dit le domaine privé de l'État. Non, il n'y a pas de domaine privé de l'État. Les terrains du Cameroun appartiennent aux autochtones. Quand l'État veut faire sa chose, l'État dit je veux faire telle chose, parce que c'est dans ses prérogatives.
Je tape décider que je veux faire telle chose à tel endroit. Il faut que le président de la République prenne ses décrets. Tout Camerounais, il est de la responsabilité du citoyen qui veut immatriculer un lopin de terre de vérifier si petit a, ce terrain, ce lot n'est pas déjà immatriculé. Petit 2. En cas d'immatriculation, petit 3, s'il s'engage à l'immatriculer, il doit être sûr qu'il est condamné à vie pour faux et usage de faux. On n'a plus besoin d'aller au tribunal. C'est le procureur. C'est le. Comment on appelle le. Le. Comment on appelle là? C'est lui le match. Comment on appelle le juge? On t'envoie à Konengi direct. Parce que la loi t'a prévu de vérifier si ce lopin de terre. Dès que tu pars au cadastre, tu donnes tes 3000. Ou vérification. Si le cadastre te dit que cet endroit a un titre foncier et que tu t'engages, d'office, tu sais que tu as ouvert toi-même la porte de la prison. Toi-même. S'il vous plaît. Toi-même, tu as ouvert les portes de la prison. Il ne faut même plus chercher des médias à 14h. Toi-même, tu as porté tes deux pieds aller en prison. Non, je parle de 3000 francs pour qu'on te délivre le document qui dit que l'attestation qui dit que ce lopin de terre n'est pas encore immatriculé. C'est un document que tu dois avoir qui vont te donner au cadastre. C'est ce document qui va te permettre d'acheter le terrain, de passer à l'achat. C'est ce document qui va te dire de passer à l'achat. S'il arrive que cet endroit ait été déjà immatriculé, c'est sur le signataire du document. Il dirait, il n'y a pas de jugement. Tu pars directement à la gendarmerie, on le récupère. Konengi. Parce qu'il faut que les gens sachent que il faut qu'on ait d'autres infractions qui doivent être directement liées dans les textes de loi. Tu fais telle chose, tu pars en prison direct pour ce que tu vas faire 3 ans. Tu perds ton poste. Automatique. Mon frère, le pays là va changer. Les gars, vous voyez donc que les gars ont mis sur pied la stratégie de démanteler la République. Quand les gens récupèrent le livre foncier de la République, ils arrachent les pages. Vous pensez que c'est. Des gens qui doivent venir arracher les pages dans le livre foncier. Vous croyez vraiment ça? Que les gens qui délesteraient entrer au ministère du domaine, là au cadastre, là, arracher les pages du livre foncier. Mais non, c'est les fonctionnaires qui arrachent les pages moyennant finance. Moyennant l'argent. C'est les fonctionnaires qui arrachent les pages. Puisque quelqu'un a commencé à faire une vente, quelqu'un a commencé à faire son affaire, il a déjà versé 80 millions pour un terrain.
Il arrive au domaine, on lui dit que mon ami, ton terrain là, il est vendu depuis, voici son titre foncé. Il dit, hein, mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis à investir. Tout ce que je veux dire, faut continuer la procédure, j'obtiens mon titre foncé, on va aller lutter au tribunal. Voilà comment on engorge nos tribunaux avec des milliers et des milliers de procès. C'est fait délibérément pour bloquer l'État. Je vous fais donc passer notre jeune sœur, la fille de Monsieur Atangana, Maurice, père à son âme. Je vous fais passer cette dame. Allez écouter ce qu'elle vous dit. Qui se passe dans notre pays. Qu'advient-il lorsqu'un peuple est trahi par ceux qui sont censés le représenter au Parlement? Monsieur descend dans la rue, il se bat, et c'est comme ça que ça s'est toujours passé dans l'histoire. Merci, c'est un autre débat. Oui, professeur. Je vais terminer, monsieur. Oui. Je vais simplement terminer. Mm-hmm. Vous pouvez mettre les gens autant que vous voulez au Parlement. Mm. RDPC a verrouillé. Vous comprenez enfin les discussions qu'il y a là à Bakoto. Vous avez une tendance dans RDSP incarnée par des vrais militants, Niamdine, les biaïstes, qui est en France avec nous à l'époque, un militant extrêmement, convaincu. Mais mon Dieu, il a écrit un livre pour dire que vraiment, des bandits se sont emparés de leur pouf, de leur parti. Alors, on est en train de déplacer. Que fait le président? Il a qu'à épurer son parti pour nous libérer. C'est un autre débat. Voilà. Nous sommes dans l'hommage à Maître Madame, et je voudrais quand même donner la parole aussi à mon aîné professionnel, Jean-François Mepinga, qui est journaliste politique bien avant moi, et qui a connu Madame, et qui sait très bien que si vous avez un personnage qui est secrétaire général adjoint du comité central pendant deux décennies, ça ne peut pas être un faux jeton. C'est-à-dire, si quelqu'un est patron d'un appareil politique pendant 20 ans, il faut faire attention, parce que là, en politique, le hasard n'existe pas. Soit il est efficace parce qu'en réalité, vous avez quand même un parti qui tient le leadership, malgré ses casseroles ou ses tumultes, qui tient un leadership politique pendant des décennies. Une, deux, bientôt trois décennies. Ah oui, ça suscite des études. Bon, maintenant, monsieur Mepinga, vous avez connu Madame, qui était votre inter ego politique et qui a participé, y compris, à animer le débat parlementaire, à animer globalement le débat politique. Et qui peut être l'un des acteurs du Cameroun apaisé que vous voyez ici? Parce que les Madame, même l'autre jour encore, ont donné la crédibilité à notre processus électoral en allant, bon an, mal an, aux élections face au boycott radical du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et même la sécession. Face à la sécession. Jean-François Mepinga. Oui, alors, je voudrais d'abord dire bonjour aux auditeurs de Royal FM. Bonjour au panel. Vous parlez dans votre micro. Hein. Ah, non, il est ouvert. C'est vous qui devez le tenir là. Bon, voilà. Alors, je dis bonjour aux auditeurs de Royal FM, je dis bonjour au panel. À propos de Madame, ce que je peux dire de ce monsieur, c'est qu'il était un homme politique très distingué, un homme politique très charismatique, qui a permis au SDF d'avoir une dimension internationale. Parce que dans les réunions des groupes socialistes, ou des groupes socialisants, mais surtout socialiste, il était l'homme qui préparait tous les dossiers, qui préparait les interventions
et délégué du SDF à toutes ces réunions de l'international socialiste. Voilà, où les socialistes se réunissaient. Et il a donc marqué le parti, d'abord par la qualité de son travail, ensuite par le poids même de sa légitimité, parce qu'il est resté longtemps président du groupe parlementaire, et par rapport à ceux qui tournaient autour de Frodi, il était l'homme qui régulait. Qui régulait en fait toute cette masse de personnes, parce que beaucoup autour de Frondi étaient des aventuriers, n'est-ce pas? C'était des gens qui croyaient qu'il fallait passer par là pour accéder à un poste ministériel, qui voyaient donc beaucoup d'opportunistes. Des opportunités dans le milieu des affaires. Voilà, beaucoup d'opportunistes et qui ont créé une atmosphère assez délétère au sein du SIF à certains moments. Donc ce bandam qui rythmait, celui qui régulait, et celui... Donc vraiment, là, le Cameroun peint quand même une personnalité politique de haut rang. Donc c'est ce que je peux dire à propos de madame. Très bien, très bien. Merci. Hein. Je crois que après vous, on va passer à la suite du débat. Il y a des réactions au téléphone parce que je vois des auditeurs qui se positionnent. Allô? Oui, bonjour. Roger qui est. Moustapha, hein, il est un homme politique parce que il est un cadre de l'UNDP de Maghreb et le Bouba. Moustapha, je pourrais dire, ajouter à votre actif que vous avez grandi dans la cour d'un homme politique, vous avez grandi dans le salon de M. Akassou Diamba, que tout le monde connaît très très bien. Allez Moustapha, prenez la parole. Oui Roger, je salue tes invités, les auditeurs, même si vous ne respectez pas les mesures gouvernementales, je vous vois sur Facebook. Non, on est dans un studio de radio, hein. Le studio est complètement aseptisé et oxygéné. Hein? Ah, je vois seulement mon ami Bakoto qui a un cache-nez rouge, mais les autres, je ne vois pas. Je vais prendre mon cache-sexe que je vais mettre sur le bon, allons-y, poursuivons. Oui, Roger, vraiment, la mort de Bandam, le Cameroun a perdu un grand. Ceux qui suivent les débats à l'Assemblée, un député du RDPC m'a dit qu'il est membre de la commission des droits de l'homme. Quand il défend le Cameroun à l'extérieur, il ne peut même pas dire que c'est un opposant. Donc, et quand même il a perdu les élections, si on faisait même les sondages parmi les cadres du RDPC, beaucoup voulaient même qu'il revienne. Et ça a fait mal même à beaucoup de gens, même moi ça m'a fait mal quand j'ai entendu que Bandam a perdu les élections, parce qu'il pouvait aussi suivre les sessionnistes, mais il a refusé. Mais il a perdu les élections, mais sa disparition reste quand même une grande vide au Cameroun, au niveau de la démocratie, débat démocratique au Cameroun. Merci. Merci Moustapha, hein. Merci pour ce témoignage que nous recueillons avec beaucoup de considération. La suite dans un instant. Ces conseils vous sont offerts par l'Union Camerounaise de Brasserie, UCB. Vignoveyi, food de la Kerry à Siobi, Wayong de coronavirus. Awawa Suawo, Naminzami, Asu. Ansata Kisi, Amin Kisi Nomkoi. Afinza Kisi, Mamkisa Ginze. Amai si kisi shu, amin mai. Ayoke mo asha atibiri una afoki woki. Ake mo mandi. Wa ma a ishu na yui. Vansa ata kisi. Ibo awati ya sunin venwir. Ake mo ati mfukpa ada. Ayoke mo ati inganga. Thank you.
l'université d'été de la pensée, réunie au sein du Grand Collège du Cameroun. Le deuxième thème qui va suivre est un thème, je vous en prie, monsieur Bissala. Le deuxième thème qui va suivre est un thème très profond. Et d'ailleurs, l'autre jour, je suivais, il m'arrive de suivre l'actualité américaine aux États-Unis d'Amérique avec les aborigènes qui sont des Indiens anciens qui occupaient le territoire et qui ont été repoussés jusqu'aux dernières extrémités de leur territoire. On était en train de vouloir déloger, parce que au fur et à mesure qu'on les a déplacés, ils disent avoir perdu le contact avec leurs ancêtres, avec leurs racines. On était donc en train de leur proposer un meilleur endroit. On a viabilisé quelque part un endroit où on voulait les loger pour occuper leurs terres. Ils ont dit non. Le contact avec nos ancêtres est important pour nos fils. Qui ont grandi après 5-6 générations, qui vont à l'université et qui sont en train de perdre les valeurs amérindiennes, leurs valeurs ancestrales. Le débat a poussé très loin, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, etc. Ils se battent en manifestant pacifiquement. Et aujourd'hui, vous voyez la question de la terre. Et quand vous voyez cette question aux États-Unis, même dans même à Washington, vous pouvez la trouver aujourd'hui à Yaoundé ou ailleurs. J'ai discuté souvent avec des anciens, des patriarches d'ici, qui me disent que le lieu où est construit le palais de l'unité est un cimetière ancien des autochtones d'ici. C'est un cimetière ancien des autochtones d'ici. Et vous, ça, beaucoup ne le savent même pas. Et vous voyez, quand on parle des cimetières, allez voir le cimetière de Ngousso, il est transformé en espace commercial. Les gens sont en train de grappiner, d'occuper, de le ronger au fur et à mesure, alors qu'il est il fait partie du patrimoine universel de l'UNESCO. Bon, alors, Yaoundé a beau être une capitale, c'est quand même le village des gens. Et moi, je suis allé dans mon village l'autre jour et on m'a dit qu'on veut installer un marché non loin de mes terres. J'ai quand même encore quelques petits hectares, pas pour moi, pour ma famille, mes frères et sœurs, etc. Je suis l'aîné. Et j'ai dit aux gens, monsieur le sous-préfet, vous ne venez pas ici pour essayer, vous commencez à vous installer sur les terres, partout, là. Parce que même quand nous faisons nos réunions la nuit, vous êtes étranger, vous ne pouvez même pas venir là-bas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes venu travailler, mais vous devez vous en référer aux anciens. Dans ces terres-là, que vous voulez toucher, il y a ce qu'on appelle, nous, je ne sais pas traduire de manière vernaculaire, le trou sacré. Le trou sacré, il y a un endroit, c'est une forêt. Le trou sacré. Oui. Et mon père a dit la dernière fois que l'endroit-ci n'aime pas qu'on y vienne, on y vienne quand on n'est pas sincère. Si vous entrez là-bas avec des manigances, vous aurez des conséquences. Chaque fois que vous avez un problème, venez là-bas, mais ayez le cœur pur et sincère. Sinon, vous-même, vous verrez des conséquences. Parce que même pendant la période allemande, les ancêtres s'y cachaient. Et étaient à l'abri. Et d'ailleurs, ma grand-mère m'a dit qu'une fois, ils y sont entrés, et les Allemands sont venus là-bas pour l'attraper. Les fourmis maniants sont tombées sur un Allemand qui a abandonné son fusil et qui s'est enfui. C'est-à-dire que c'est une espèce de citadelle, un lieu imprenable, etc. Donc, alors, j'ai entamé d'aborder ici, là, une question liée à la terre. Et j'ai rappelé que l'ancien premier président de la Cour suprême. Il nous écoute beaucoup, autant que monsieur l'ancien procureur général Martin Rissou Kamoulon, qui m'a envoyé des nouvelles par Biaye pour me dire que je le fuis parce que je crois qu'il est... Mon père, je ne te fuis pas, je ne vous fuis pas, mais le boulot fait en sorte... Il faut que je trouve l'opportunité d'aller voir le président Alexis Dipandamouélé et le père Martin Rissou, qui nous ont invités régulièrement... qui ont invité le Grand Collège à la Cour suprême, et qui avait donné une leçon inaugurale sur la terre en disant que le Cameroun va vivre une guerre foncière si on continue ce qu'on est
en train de faire. Les ministres accaparent toutes les terres, les hommes d'affaires, tout, on achète partout, on achète tout. Et je crois que le président Alexis Dipanda, le premier président et monsieur le procureur général avaient raison. Alors, vous avez donc cette dame qui est là, qui est revenue, parce que j'ai eu des coups de fil des individus, pas, l'État n'est pas représenté par des individus, mais les fonctionnaires prétendent représenter l'État, ou alors quelquefois les hommes qui ont la puissance financière pensent que les intérêts de l'État sont les leurs. J'ai eu des coups de fil et moi j'ai dit, je suis un professionnel, je ne suis pas là pour ça. Il y a tout un mémo que ces autochtones ont dû me confectionner. Alors, à l'époque, en 1960, dans les années 60, si je ne me trompe, l'État avait entrepris d'exproprier ces terres-là pour cause d'utilité publique, un peu comme on fait dans tous nos villages. La localité était d'abord destinée au départ, après l'évolution du temps, plus tard, destinée à accueillir ce qu'on a appelé l'extension de l'aéroport de Yaoundé, qui est la base 101, comme on l'appelle ici. L'extension, parce que c'était avant qu'on envisage d'aller à Simalène, etc. Effectivement. On n'a plus installé l'aéroport là-bas, on a installé l'aéroport en Simalène. En Simalène, qu'est-ce qui s'est passé quand les hauts fonctionnaires ont appris qu'il y aura l'autoroute? Ils ont commencé à acheter le mètre carré à 100 francs ou à 200. Comme ce sont des plantations, c'est le champ. On vient, on te dit, tu veux, tu négocies. Si tu arrives à 500 ou à 1000 francs, tu vends le mètre carré à 500 ou à 1000 francs, on t'apporte quelques sacs de riz, des cartons, des kitoko et de la viande. Tu découvres plus tard que les mêmes sont en train de se faire indemniser. L'autoroute de Yaoundé et Simalène, qui était budgétisée exactement à 1 milliard 800, a reçu une bonification à 100. A reçu une bonification parce que il va coûter le double de ce qu'on devait payer. Hein? Je parle de 1 milliard, c'est 100 milliards. 100 milliards, il va doubler parce que les autochtones, les gens ont dérouté le tracé. Chacun a voulu ramener sur son terrain et quelque part, les gens qui achetaient le mètre carré à 1000 francs se sont mis maintenant à se faire indemniser comme s'ils étaient des autochtones. Roger, excusez-moi. Vous permettez que j'introduise. Oui. Parce que moi, vous savez, on fait utile pour que les gens comprennent de manière terre à terre. On a pris cette terre-là pour faire l'aéroport. On n'a plus fait l'aéroport. Par la suite, plus tard, on dit que bon, on veut faire le lycée technique de Kounou. On loge bien le lycée technique. Au lieu de faire le lycée technique, on met une société marocaine. On donne à des Marocains. Et plus tard, on fait le lycée technique de Kounou. Et l'État se rend compte plus tard qu'on a trop pris des terres. On avait même indemnisé les arbres fruitiers. On fait ce qu'on appelle des rétrocessions. Je l'ai vu en Diomelen, là où je suis né, là où il y a la garde républicaine. On avait remis quelques terres aux autochtones. Je l'ai vu à l'hôpital des sœurs qui se situe sur la colline de Nvokpeti où on a remis. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires, j'ai des documents. Les fonctionnaires se sont installés sur ces terres. Si on vous lit les noms des fonctionnaires, et l'utilité publique est devenue l'utilité plus privée avec des étrangers comme des Marocains, sur des terres que des pères ont laissées à des générations entières. Bon, madame, je ne suis pas de votre village. J'ai essayé de poser le problème en disant que à long terme, il y aura des guerres. Parce que même vos enfants qui vont grandir, un jour vont prendre des armes. Comme on a vu au Zimbabwe, on l'a vu au Zimbabwe pour réclamer ces terres. Maintenant, je vous remets la parole. Merci. Que vous passiez sans trop vous étaler sur des pans de votre démonstration, que vous posiez le problème depuis ses origines. Merci beaucoup, Roger. Si je voulais intervenir tout à l'heure, c'est parce que vous parliez d'indemnisation sur la route de l'aéroport. Vous aviez parlé d'indemnisation des arbres fruitiers et... Ils appellent ça indemnisation. Quand on te donne de l'argent parce que tu as des mangues et des tiges de manioc, ils transforment en indemnisation. Et que ceux qui ont racheté ces terrains, plus tard, avaient reçu des indemnisations véritable à des prix colossales. Merci beaucoup. Vous voyez,
comment se font les choses au Cameroun. Bref, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour décrier un certain nombre de machinations qui se passent dans notre pays. Hier, en 66, je n'étais pas encore né, il y a eu une expropriation pour cause d'utilité publique. Je ne suis pas juriste. C'est vous qui dites après 3 ans si ce qu'on devrait faire sur cette terre n'est pas fait. L'expropriation est caduque et les terrains reviennent aux propriétaires. Mais malheureusement, en ce qui concerne Ekounoukoumou 2 particulièrement, les terres n'ont pas fait l'objet de rétrocession aux particuliers, aux propriétaires. Ce qui m'amène ici, ce n'est pas tout Ekounou. Je voudrais d'abord parler du terrain qui concerne M. Atangana Maurice Gaston, qui était néphrologue, professeur au CUS, et qui est décédé en 88. Avant que ce monsieur ne décède, son terrain était de 24 hectares et qui a fait l'objet d'une expropriation partielle. Et l'on lui a refait ce qu'on appelle rectificatif, et non pas une rétrocession. Un rectificatif avec le même numéro de titre foncier, dont le 1709. Il lui est resté 12 hectares. On lui a remis un titre foncier. C'est pas lui qui a établi, c'est toujours le ministère des Affaires foncières, le cadastre et tout ce que cela comporte. On lui a remis un titre foncier. Et en mourant en 88, nous, ses héritiers, il nous a laissé ce titre foncier. Et il nous a dit, mes enfants, ne dissimulez pas les terrains pour le plaisir de les dissimuler. Ne vendez pas, gardez, investissez. Si quelqu'un vous demande, donnez-lui. C'est encore mieux, on ne vend pas les terres. Et c'est ce que nous avions fait. Et nous sommes surpris aujourd'hui, est-ce que cela fait mal aux gens que quelqu'un, les enfants de quelqu'un puissent garder le patrimoine? Dites-nous. Est-ce que c'est mauvais, c'est méchant de garder le patrimoine de ses ancêtres pour que des tierces personnes s'irrigent en l'état pour venir arracher? Le terrain est resté de 12 hectares. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu une nouvelle expropriation qui a repris le terrain à 6 hectares pour utilité publique. Mais tous les jours, nous bagarrons avec des gens. Nous avons commencé par bagarrer avec des fonctionnaires, en commençant par ceux du MINCAF eux-mêmes, le délégué, l'ancien délégué, M. Awana, qui nous dit on va faire les logements sociaux, on va faire les logements sociaux pour la CAN. Ensuite, c'est le lycée technique. Après, nous bagarrons avec eux, ce n'est plus le premier lycée technique. Après, un autre arrive, c'est le lycée professionnel. Une question de vocabulaire, c'est toujours le même lycée technique. Ils viennent défricher des hectares. On bagarre avec eux. Ce n'est plus eux, c'est déjà M. Boudjou Aboudjou qui arrive avec un caterpillard pour venir déblayer plus de 1000 mètres carrés. C'est la bagarre. Ce n'est plus la bagarre. Il apporte une arme pour nous tuer. Alors, c'est au bout de cela. Vous avez dit Boudjou Aboudjou. Boudjou Aboudjou. Ça renvoie à... Oui, oui. C'était les chiens de garde de l'ancien ministre des Affaires foncières. Parce que avec eux, quand il y avait un espace, il fallait savoir pourquoi l'espace est libre. Sinon, donc les fonctionnaires rôdent dans Yaoundé il y a des prédateurs qui rôdent pour chercher un espace. Effectivement, c'est ce qui se passe. Et oui. Oui. Et lorsqu'il vient nous présenter, il voulait tirer sur nous. Malheureusement, je vous ai dit. Nous avons encore jusqu'aujourd'hui des enregistrements parce qu'il avait appelé en direct Madame la ministre pour lui dire « Madame, le terrain que vous m'aviez attribué, voici des énergumènes qui viennent me déranger sur mon terrain. » Est-ce qu'il sait qu'il est dans le village d'autrui? On est fonctionnaire à Yaoundé, mais on est quand même... C'est un village où des gens, les charognards, enfin, les gens qui doivent savoir que c'est possible que vous trouviez des champs de manioc. Ou des champs de macabre, parce que les gens sont nés à ces endroits-là. Et pour vous dire, c'est pas fini. C'est à part la suite, nous nous retrouvons avec un monsieur. Lui, monsieur Boudjou, il avait une attribution, une lettre d'attribution. Lorsque je demande la lettre d'attribution, on me la présente et on me l'arrache entre les mains, pendant que moi, je leur présente une photocopie de notre titre foncier. Alors,
Par la suite, 10 mois plus tard, ce n'est plus M. Bodjo, il a disparu, après nous avoir fait des déclarations en disant « Oh, c'est pas seulement moi, sachez que Mme la ministre a vendu tout votre terrain. » Je vais te mentir, il paraît que Mme la ministre ne vend pas les terrains. Moi, c'est ce qu'il a dit. Nous, ce sont ses déclarations, parce qu'il nous a demandé de ne pas faire allusion à ce problème d'armes, parce que ça va lui causer des problèmes. Bref. C'est pas important là maintenant. 10 mois plus tard, nous voyons un monsieur qui débarque avec un titre foncier. Il nous dit, voilà, c'est ici mon terrain. On lui dit, mais moi je lui dis, monsieur, vous êtes sur le terrain d'Atangana Maurice. Il me dit qu'il s'appelle Wozezo Thomas. Il est promoteur d'un établissement. Wozezo Thomas, il est autochtone à Yaoundé. Non, c'est quelqu'un de l'Ouest. C'est quelqu'un bon, de l'Ouest. Il a le titre comment? Sans avoir acheté le titre. Bon, attendez, je vous explique. Mmh. C'est une continuité de la machination. Mais lui, il aurait donné 25 millions à tout. Oui, il nous a dit qu'il a dépensé. Il a déjà dépensé plus de 25 millions pour avoir ce terrain. Donc, lui, il ne nous gère pas. Il faudrait qu'il ait son terrain. C'est comme ça que nous débattons. Chez le préfet, chez le ministre. Lui, il court vite. Il a une lettre qu'on lui demande de faire l'état des lieux du titre foncier qu'a fait Mme Kounabisiké sur l'expropriation de Nkoumou. Donc, le titre, c'est 51-796. Il nous dit qu'il a eu un morcellement de ce titre. Et moi, je lui dis, là où on vous a présenté, ce n'est pas l'expropriation. Parce que le terrain de mon père étant de 24 hectares, 12, on ne parle pas encore de ce qui a été pris. Nous parlons de ce qui nous reste, dont les 12 hectares. Et du vivant de mon père avait déjà vendu à peu près 2 hectares. Et ces gens, aujourd'hui, je vous dis, ils ont le morcellement. J'ai vu que ils ont le morcellement et leur titre. Ananga Messina. Qui a acheté chez vous vit là-bas. Oui, Madame Ananga vit. Elle a même. Oui, dans la même zone, sur nos terrains. Donc, elle vit là-bas. Bon, maintenant le monsieur va voir le ministre. Il fait un recours gracieux. Il voit le ministre. Le ministre lui demande de faire un état des lieux du titre foncier dont les 233 hectares. Bon, j'ai attendu en vain. Je n'ai pas vu de pardon. Plus d'un mois, 2 mois. Alors, nous avons aussi fait un recours gracieux parce qu'on était fatigués de bagarrer avec les gens sur le terrain. On a fait un recours gracieux. Monsieur, c'était maintenant Monsieur Eyeba ici. Parce que celui qui a fait le titre foncier à Monsieur Wozezo, c'est Madame Kung Abesike. Donc, juste avant son départ. C'était les affaires de novembre 2018. Alors, disons, avant de partir, là. Oui, c'est parce qu'il fallait, vérifier, il fallait contre. Non, c'est là. Le titre est là, devant vous. D'accord. Le titre est là devant vous. Vous pouvez lire. Donc, juste avant, c'était une continuité. Comme les autres, c'était d'abord des attributions. Alors, il fallait maintenant donner des titres fonciers aux gens pour que ces gens vraiment aient la notoriété sur ces terrains. D'ailleurs, il y a un fonctionnaire qui vient d'avoir un titre foncier sur le terrain de Boto Angon. C'est-à-dire, ça a été querellé là, etc. Et le ministre actuel vient de le donner à ce haut fonctionnaire de l'État, l'outil foncier sur le terrain de Botango. Oui. Voilà. Donc, voilà. Je continue en disant que le ministre actuel, M. Eyeba ici, il nous écrit, il nous répond en nous disant que, bon, faites donc un état des lieux, vérifiez les limites, puisque nous avons une limite commune entre l'expropriation et le reste du terrain de M. Atangana Maurice. Alors, nous avions fait donc cette expertise en rappelant même, nous avons pu retrouver les géomètres d'antan qui ont travaillé sur l'expropriation à la personne de M. Foto Pierre. Ce monsieur nous a aidé à retrouver tout ce qu'il y avait comme borne. On a refait tout le terrain, on a retrouvé toutes les bornes. Toutes les bornes sont là. Et nous avons ressorti sur le monsieur, le géomètre qui est venu travailler. Il s'appelle, je crois, regardez. Si... Non, madame, oui. C'est même pas, ça dit que c'est pas un bruit. Allez-y. Parce que le monsieur a demandé de faire un état de lieu. Oui, et est-ce de que préciser... l'état de lieu est fait? Oui, l'état le de lieu. Le procès verbal, le ministre vous a-t-il répondu par la suite?
Nous avons remis deux fois de suite le procès verbal au ministre. Et nous nous sommes rendus compte que ce procès verbal n'est jamais arrivé entre les mains du ministre. Parce comment un ministre peut demander une étude? On fait un procès verbal et il dit que ce n'est pas arrivé et il se tait. Il ne fait rien, il n'agit pas. Madame, c'est très curieux parce que le ministre. Je ne sais pas comment ça se passe. Le ministre a reçu une instruction du premier ministère, de M. Séraphin Fouda. Avant même le premier ministère réagisse, nous avions déposé la lettre le 9 janvier 2020 en demandant, nous avons dit, demande de maintien sur le site. Et en annexe, nous avions joint le rapport d'expertise qui disait que. Monsieur, le lycée technique et à Doha avait des titres chevauchés sur notre titre. Et que le titre de ce monsieur... À Doha, ce sont des Marocains. Oui, à Doha et lycée technique. Des Marocains. Oui, les deux qu'est-ce titres... Qu'est-ce que les Marocains viennent chercher là-bas? Chevauchés sur le titre foncier de Atangana. Est-ce que le ministre est au courant que les Marocains sont là-bas, sur un endroit exproprié pour cause d'utilité publique? Les Marocains sont-ils une utilité publique? Où est les fonctionnaires? Ah, c'est l'utilité publique. Hein. Bon, poursuivez. Non, je disais donc que la lettre a été déposée au cabinet le 9 janvier 2020. Et le 16 janvier 2020, on envoyait cette lettre à la DAJ. Et jusqu'aujourd'hui, la DAJ ne retrouve pas ce dossier. Dans une administration. Oui. Et la DAG veut dire direction de l'administration générale. Oui. Et le 12. De l'administration juridique. Oui. Juridique plutôt. Oui, elle oui. ne trouve plus son dossier. Oui, oui. Et maintenant, pendant que nous attendons la réponse, nous retrouvons avec des géomètres qui reviennent du cadastre. C'est un géomètre qui m'appelle, qui, je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro, mais je sais que c'est M. Ouzézo qui leur a donné mon numéro. Ce monsieur arrive, ils me disent que le chef de service du cadastre les envoie venir faire une contre-expertise. Or, le rapport, Monsieur Abogokali, avait déjà signé un rapport d'expertise au préalable et nous renvoie ici travailler. Je leur dis, mais moi, je ne peux pas vous emmener en brousse. Vous n'avez même pas d'ordre de mission. Et de plus, vous avez des collègues qui ont travaillé, qui ont fait l'expertise ici dernièrement, et ils ont signé ce rapport. Le rapport a été signé et votre patron a signé. S'il vous renvoie ici, qu'il vous envoie avec une lettre de mission. Moi, je n'ai pas donc, vu la lettre clair, de mission. Vous tournez, on vous fait tourner en rond. Oui, on nous fait tourner en rond. Pendant qu'au ministère, on dissimule notre rapport. Pendant ce temps, ils viennent fabriquer un autre rapport sous prétexte qu'ils ont eu, on a fait une commission ad hoc. C'est pourquoi, quand vous lisez la lettre du ministre ici, le ministre parle vous d'une commission ad hoc. Ici, oui, oui, oui. Ici, le ministre dit, la lettre qu'il nous a envoyée le 1er avril 2020, il dit que nous avions, d'après la commission ad hoc. La commission ad hoc, elle a tenu quand? Bon, où sont les signatures des membres de la commission? Moi, je n'ai pas parce vu ça. Parce que quand il y a une commission ad hoc, moi, je n'ai pas vu. Si, on fait un rapport, nommément. Roger, nous, on a vu une commission ad hoc lorsqu'on venait la première fois lotir le lycée technique derrière le château de Nkomo. On a compris il maintenant. Il y avait le préfet, vous il y avait le sous-préfet, il dire. Y avait les notables du village, il y avait les chefs de village. D'accord, merci toute bien. La population merci, était là. Merci bien. Donc, vous voyez donc que... parfois, ne disculpez pas un ministre en croyant que ce sont les délégués, ce sont les autres. Moi, je lis un document ici, là. Vous allez voir, moi, relevé immobilier, relevé immobilier établi en exécution des instructions de monsieur le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Ceux-ci ont déjà les titres fonciers. Oui. Et vous voyez, on a mis les noms, là. Je vois ici BA... numéro 18, dépôt numéro 2994 du 39-2016, parcelle non bâtie, c'est de Yaoundé 4, lieu dit Ekounou, attribué à M. Besson Aoumé. C'est mon père, un préfet, il est même décédé, je crois. Oui. Mon père était très malade la dernière fois. On était ici à une dédicace de livre, il est décédé. C'est ça l'utilité. Plus. On a déjà mis le nom de l'ancien préfet, mon père. C'est mon père. On a mis dedans. Il est pas de Nanga, beaucoup pour le ministère. Non, il est mon préfet.
Vous avez donc Monsieur Tchakwe Tapoko. Tchakwe Tapoko. Éric Florent. Telle utilité publique. Il a eu. Vous avez, je vais vous citer des noms. Vous avez ici là, Monsieur Ebangwe, parcelle non bâtie à Yaoundé 4, lieu dit Ekounou, vente à Ebangwe. Ebangwe est un ancien secrétaire du ministère des Finances. Bon, il est secrétaire général du ministère, maintenant des travaux publics. Donc, je pipe comme ça au hasard. J'ai cité un préfet. Cité aussi, il y a aussi M. Pont-François, les derniers. Ah, il est dedans. M. Pont-François. Pont-François. Ouais. Et Ebangwe a même deux. Ebangwe a trois parcelles. Voici Ebangwe trois fois. Donc, les hauts fonctionnaires s'installent avec des Marocains sur un terrain. Vous voyez, en fait, c'est un échantillon. C'est juste pour dire que ce qui vous arrive, arrive à des quantités de Camerounais. Tous les jours, dans toutes les villes du Cameroun. À ce rythme-ci, si des gens, chaque fois que vous guettez une terre quelque part, vous l'appropriez, il y aura un problème, il y aura un soulèvement social. Il y a un malaise. Bon, on a compris. C'est-à-dire que le problème est posé. Oui, mais il faut aussi comprendre que ces gens, quand on leur délivre ces titres, ils vont les hypothéquer pour venir. Le président Alexis Dipandamo, il a dit que la plupart, 80%, ce sont des faux titres fonciers. 50 millions à une micro-finance. Bon, les juristes sont là. Apparemment, ce sont des faux titres fonciers. Ce sont des faux titres. Je ne crois pas qu'ils soient vrais. Si ce sont des faux titres fonciers, bon, ils ne sont rien démantelés. Commençons par vous, on va faire un tour complet. Les juristes sont là. Je vais d'abord dire bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que le micro de monsieur l'historien des mentalités est à quatre? Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, moi qui ai l'habitude d'étudier un peu les problèmes, la mort. Et je crois que la mort. Le problème de la mort. Oui, et la terre. Les choses comme ça peuvent entraîner la mort. Ah non, c'est pour dire que, vous savez, nous, dans nos traditions, on enterre les gens dans leur village. Donc, vous voyez ce qu'on appelle domaine d'utilité publique. On vous fabrique un dossier, on vous dit, l'État va faire telle chose. Après, on vient, on coupe, on se partage. Voilà ce qui arrive à la famille d'Atahana Maurice. À Yaoundé. Il faut que le président de la République sorte ce décret. Tout Camerounais qui va immatriculer un lopin de terre est responsable s'il ne vérifie pas d'abord au cadastre jusqu'à obtenir l'attestation de non-immatriculation de ce lopin de terre avant de faire la transaction. Au lieu de perdre 80 millions, 200 millions, il perd 3 000 francs pour la délivrance du certificat d'attestation de non-immatriculation. Avant, moi je ne sais pas, c'est tellement facile. Du moment où on te délivre l'attestation de non-immatriculation d'un lopin de terre, tu peux aller faire la transaction. Moi, je ne sais pas pourquoi des gens veulent détruire notre pays. Pourquoi est-ce que les gens veulent détruire un pays? Qu'est-ce que le Cameroun les a fait? Le Cameroun les a tout donné. Pourquoi se comporter comme ça? Tu vas acheter un terrain. Et ces gens s'arrangent à chaque fois de faire des textes de loi avec les vides juridiques. C'est une remarque. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est juste un décret. Quiconque veut faire une transaction foncière dans de grandes villes, dans les départements, doit d'abord
vérifier sur le pont de terre au cadastre jusqu'à obtenir l'attestation de non-immatriculation. C'est cette attestation qui lui permet d'engager la procédure d'immatriculation. C'est facile, c'est l'administration. Si tu t'engages à sortir si quelqu'un s'hasarde à te délivrer attestation de non-immatriculation d'un terrain qui est immatriculable d'avance, toi et le fonctionnaire, prison directe, toi et le fonctionnaire directe, parce que si le fonctionnaire t'a donné l'attestation de non-immatriculation dans le pont de terre, sûrement il y a eu corruption. Toi qui as un problème, tu te dis que je peux d'abord résoudre mon problème. Il faut que ça s'arrête, mes chers amis. C'est comme ça. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a des familles meurtries au Cameroun. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Il y en a des milliers de familles. Je me rappelle à Yaoundé, vers l'OAPI, un papa, Bassa, notaire, a un lopin de terre à côté de l'OAPI. La dame est au village avec son mari. Les gens lui disent, maman, on est en train de prendre ton terrain là-bas à Yaoundé. La dame monte. Elle trouve qu'on a déjà mis la barrière. Elle dit non, elle arrête les travaux. Que ça, c'est mon terrain. Le monsieur sort dit que c'est son terrain qu'on lui a vendu. Monsieur, la dame dit, monsieur, mon mari était notaire. Voilà son cabinet. C'est son terrain ici. Voici la photocopie du titre foncé. Vous avez votre titre foncé où? C'est de ça qu'il est question. Quand les gens arrivent, c'est ça qui pousse donc à faire que quand ils constatent comme ça qu'il y a un titre foncier, ils vont au ministère du domaine des affaires foncières, ils vont récupérer le livre foncier, ils déchirent les pages. Léon, je vais parler d'Ibala, que Ibala, on avait dit à Ibala qu'il arrête, il va aller en prison, il a refusé. Bon, il a appelé à une manifestation, c'est tout. Manifestation non autorisée. Là, il est parti en prison. Parce qu'il avait un problème personnel avec Eto. Bon, là maintenant, là, il va aller en prison là. Ça c'est pour des gens qui ne veulent pas respecter la loi. C'est pour ça qu'il va aller en prison, mon frère. Donc, je ne sais pas ce que tu me parles de ça. J'étais donc dit donc qu'il a été arrêté. Et c'est bien fait pour lui. Dans la vie, il faut écouter les conseils. Il faut écouter les conseils. Quand les gens arrivent donc à ce niveau-ci, vous comprenez que c'est grave. Et nous, ça nous donne encore la force. Je ne sais pas, ils ne savent pas, hein. Ces gens nous donnent encore la force de dire que M. Biya ou rien. Je vais vous lire ce que écrit un journaliste, Jean-Bruno Tagne. Je vais vous lire ce que écrit M. Jean-Bruno Tagne.
Je vais vous lire ce que écrit M. Jean-Bruno Tagne. Voilà ce que écrit M. Jean-Bruno Tagne. Ce qui me chagrine, ce n'est même pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Il trouve même des arguments pour soutenir les bourreaux. Et le peu d'énergie qu'il reste, ils orientent contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça révèle de la psychiatrie. C'est trop fort. Jean-Bruno Tagne ne peut pas comprendre la position des Camerounais. Parce qu'il a dit dans son texte, il trouve même des arguments pour soutenir leur bourreau. Dans cette phrase de M. Jean-Bruno Tagne, il ne sait pas qu'en face du peuple camerounais, il y a deux bourreaux. Il y a un bourreau qu'on connaît. Il y a un bourreau qu'on ne connaît pas. Le peuple camerounais a donc deux bourreaux. Un qui n'est pas encore assis au pouvoir, mais il a déjà terrorisé tout le monde. Et le peuple camerounais dit, s'il n'est pas encore au pouvoir, il nous a déjà terrorisé comme il nous a terrorisé là. Imaginez alors si ça soit là-bas. Vaut mieux le bourreau qu'on connaît. Quand ce bourreau a déjà mangé, il cherche un coin, il dort comme le lion. Nous, on va à nos occupations, on monte, on descend, on monte, on descend. Jean-Bruno Tagne ne peut pas comprendre ça. Il est animé par une haine. C'est cette haine qui l'empêche de réfléchir. Lui, il est le bourreau de demain. Il est le bourreau de demain. Même chose avec Fotin Nzondjou. Parce que, comme eux, ils sont les bourreaux de demain, eux, ils sont pressés à chasser les bourreaux d'aujourd'hui. Ils ne nous proposent rien. Ils se disent qu'eux, ils sont les victimes d'aujourd'hui. Donc, comme eux, ils sont les victimes d'aujourd'hui, il faut que nous, on les aide à chasser le bourreau d'aujourd'hui pour qu'eux deviennent le bourreau. Le nouveau bourreau. C'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est de montrer leur visage. Ils ont vendu la peau du loup sans avoir tué le loup. C'est ça qui est la question. C'est-à-dire, Jean-Bruno Tagne dit qu'il a pitié du petit peuple misérable. Mais Jean-Bruno, c'est parce que le petit peuple misérable a compris ce qui se passe. Il y a deux bourreaux, un bourreau qu'on connaît et l'autre bourreau qu'on ne connaît pas. Le bourreau qu'on connaît, on connaît ses habitudes. On connaît à quelle heure il mange, à quelle heure il se réveille, à quelle heure il dort, à quelle heure... On connaît toutes les habitudes du bourreau que nous avons. On connaît tous ses faits et gestes. On le connaît. Mais dis-moi, prends la place de ce petit peuple. Qui voit en face de lui un bourreau qui n'est pas encore au pouvoir. Mais a terrorisé le peuple.
comment il va faire pour que le peuple l'installe sans être au pouvoir. Il a déjà terrorisé tout le monde, tout le monde. Il ne sera jamais président. Je vous dis une chose. Je dois le dire tous les jours. Si les bêtis, les gens de l'Est, les Macas, les gens du littoral, tentent de laisser le pouvoir pour une quelconque, je ne sais quoi, vous allez voir dans les 30 prochaines années, voyez comment on vous traite. On dit, vous n'avez pas de village. Parce que la ville est chez vous. Si la ville est chez vous, vous n'avez pas de village. C'est pour ça que parfois, moi, je félicite souvent un peu le peuple Douala. Allez à Douala. Tu peux fermer le cimetière de... Tu peux aller casser le cimetière de Deido. Tu peux casser le cimetière de Ndjondjo. Tu peux casser le cimetière de Bonaberi. Tu peux casser le cimetière de... Bois des singes, les doigts là vont sortir. Les doigts là vont sortir, le feu sort. C'est la différence entre le comportement des doigts là et mes frères et Wondo. Qui laisse faire? On enlève les corps au cimetière, là, à l'omnisport. Les gens s'en foutent. Quoi? C'est la seule chose qu'on devait laisser. Pour dire, bon, ok, comme la ville a grandi, et que les autochtones, les gens de Vokatanamba, là, Vokadad, les autochtones de là, on les laisse au moins ce cimetière. Les gens font des calculs pour exhumer le corps là. Pas même que exhumer. Ils ont commencé à exhumer. Et vous ne connaissez pas comment ça me fait souvent mal. Quand je reste comme ça, j'ai mal. Comment est-ce que je peux faire pour faire comprendre aux gens le bien fondé, la valeur d'un cimetière? Qu'est-ce qu'un cimetière apporte dans la vie d'un humain? Est-ce que vous savez que le cimetière a un rôle dans la vie des êtres humains? Ce n'est pas possible. Ouais. Il faut que les gens comprennent. C'est la ville. Si le peuple camerounais fait l'erreur d'accepter un bourreau qu'ils ne connaissent pas, ils seront trahi pour 100 voire 200 ans. Vous avez l'exemple. Le pouvoir est entre les mains d'un écant. Regardez quel traitement on vous donne. Le pouvoir est entre les mains d'un écant. Vos terrains ont ravi. Quand je vois la famille du papa qui avait loué le terrain aux gens de la Kateko. Aujourd'hui, le type de centre voyage a le titre foncé. J'ai dit, il faut que le président de la République sorte le décret. Trop, c'est trop. Il faut protéger les autochtones. Je pleure leur sort parce que ça, ce qui leur arrive peut m'arriver demain. C'est la même chose comme excellence, ça peut arriver à vos descendants dans 300 ans.
Nvomuka dans 300 ans pourra être une grande ville. Si on vient là-bas, on exhume les corps de vos ancêtres, personne ne sera content. Donc, quand nous voyons ce que les fonctionnaires font, ces gens, il faut... Je redis encore, le ministre Ayiba ici ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, j'ai annulé le titre foncier. Si le ministre Ayiba ici veut faire quelque chose, il fait ce que le ministre Manaoda fait. Et comme ça, il ne peut pas aller marcher. Manaoda est jeune. Il peut sauter, courir 100 mètres. Le ministre Ayiba ici, il a déjà de l'âge. Il est obligé de renvoyer ses collaborateurs. Ils viennent, ils le mentent. C'est de ça qu'il est question. Puisque c'est eux qui ont fait tout ce désordre. Vous pensez qu'ils foutent le désordre, ils vont venir arranger. Merde. Hé, Anti. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce que ce que nous parlons aujourd'hui, d'autres vont s'ajouter, ça va exploser. Il faut réglementer la vente des terrains. Le vendeur de terrain doit être responsable. L'acheteur doit être responsable. Il faut que cette infraction pénale doit être suivie d'une condamnation à vie. Parce que c'est très important, le foncier dans une république. Des gens prennent le livre foncier de la république, ils arrachent les pages. Ces gens savent pertinemment qu'il y a la copie à la présidence. Ces gens savent. Mais ils ont le courage. Ce qu'ils ont là-bas au ministère, ils arrachent les pages. Mais parce qu'ils savent que qui ira à la présidence cherche la copie. Est-ce que le bas peuple a les moyens de demander une copie au service à la présidence? Non, mes chers amis. Résultat de course, ils font ce qu'ils veulent. Monsieur le Président, pour que ça soit facile, décret présidentiel. C'est simple. Le vendeur et l'acheteur deviennent responsables. Pour faire une transaction sur une parcelle de terre, l'acheteur doit venir avec l'attestation de non-immatriculation. Parce que le vendeur va te dire avec la bouche que je n'ai pas vendu, il n'y a pas de titre foncier dessus. C'est ce qu'il va te dire. Toi, c'est toi qui sors ton argent. Tu vas au cadastre. On va dire un montant de 3 000. Le gars qui est là-bas, la documentation au domaine, va vérifier. Biocadastre, va vérifier. Cadastre, sort le plan. Quel quartier? On regarde. Si tu es où? Voilà ça. Ce n'est pas immatriculé. Et comme il a vu là que ce n'est pas immatriculé, il te délivre l'attestation de non-immatriculation. C'est ce document c'est ça qui te protège, toi l'acheteur. Est-ce que l'administration, c'est quelque chose qui est compliqué?
L'administration n'est pas compliquée, mais ce sont des humains qui veulent compliquer l'administration parce que les gens ont mis dans la tête qu'il faut démanteler l'État. C'est pour ça que vous voyez ce système de démanteler notre État a été incommensurable. Ils ont commencé à implémenter ça depuis 1989. Démanteler la République. Pour le faire, on a commencé à mettre les jalons. On est passé par les privatisations, on est passé par la démocratie, on est passé, maintenant on est dans ce qu'on appelle révolution de couleur. Il faut que le président de la République, c'est un petit décret, ça va régler l'affaire. Excellence, ça va régler l'affaire. Mettez les cœurs. Il n'est pas content que je fasse le direct. Comme il n'est pas content que je fasse le direct, mon frère, toi tu n'es pas content que nous on parle. Tu n'es pas content que nous on parle. Est-ce que nous on t'a interdit? Nous on t'a pas interdit de faire quoi que ce soit. Hein? Mais toi tu viens, toi tu nous trouves en train de faire notre direct. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces gens sont. Mon frère, est-ce que nous on refuse que tu... Chacun de nous peut avoir une position qui n'est pas la... Toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la même position. Mais de grâce, laissez-nous aussi. Rose, règle-moi le compte de ce gars, s'il te plaît. Va qui nous verse les têtes de moi, règle-nous son compte, s'il te plaît. S'il te plaît, règle-nous son compte, ce gars. Il faut que les gens sachent que quand tu es jeune, tu as l'avenir devant toi. Tu as l'avenir devant toi, tu as tout devant toi et tu penses vraiment que tu ne vas pas vieillir. Mais c'est quand tu vieillis que tu comprends que ah, j'ai vieilli. Mais moi, je vous dis encore qu'il faut que les gens, il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens se ressaisissent. Ouais, Seigneur. Monsieur le Président, s'il vous plaît,
Parce que c'est comme ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Ces gens ne badinent pas. Alors que vous êtes en train de parler peut-être de... Ces gens ne sont pas en train de blaguer. Vous savez, c'est des gens qui n'oublient jamais. Ce sont des gens qui n'oublient pas. Quand ils ont un projet, tant que leur projet n'a pas abouti, ils vont chercher encore d'autres Camerounais qui, eux, vont valider leur projet. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Ouais, mon frère. Ouais, Chéri Shalom. Tous les Camerounais souffrent. Vous parlez des bamis à longueur de journée. Voilà un petit Français qui vient sortir le grand-père de sa cachette. Ouais, Chéri, donc le grand-père n'est plus mort. Ouais, Thierry. Ouais. Ouais, comment vous ne voulez pas accepter la vérité, non, mon frère? Ouais. Mon frère, prenez la place des autres et la compassion pour les autres. Ouais. Ouais, mon frère, vous n'avez pas de village. Et que tu peux parler comme ça? En tout cas, le peuple comme... C'est terrible. Et... Ouais. Ça me fait mal de voir comment tu réfléchis. Ça me fait mal. Ça me chagrine même à la limite. Mes chers amis, est-ce que vous entendez parler du massacre de Batibo?
Les Ambazoniens ont fait un carnage à Batibo. Equinox ne fait pas les débats. Equinox ce soir. Ces jalons autour est aveugle. Toutes les chaînes de télévision sont aveugles. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. 30 personnes tuées. Je ne vois pas Hélène Nanga. Je ne vois pas Madame Cyril Rolande Péchon. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'il n'y a pas intérêt. Madame Cyril Rolande Péchon absente. Elle est absente. On ne la voit pas. Madame Péchon, elle est absente. Maximilien Ngombé, elle est absente. Maximilien Ngombé, elle est absente. Monsieur Bikoko, il est absent. RFI, absent. Jean-Bruno Tailleur, absent. Le journal Le Jour, absent. C'est une information sans intérêt parce que l'information n'est pas financée par les ONG. Le journal Mutation, zéro information. Le journal L'Émergence, zéro information. BBC Afrique, zéro. Mais on nous a rabâché le cerveau à longueur de journée. Le massacre de Ngarbou, le massacre de Ngarbou, le massacre. Mais voilà un massacre. 30 Camerounais assassinés froidement. Dont personne ne parle. Seigneur, ils vont nous dire quoi demain? Ils vont nous dire quoi demain? Seigneur, pourquoi ce mauvais cœur? Pourquoi ce mauvais cœur? Pourquoi les gens se comportent comme ça? Mes chers amis, même les télévisions nationales, personne ne parle. Personne ne parle. Radio nationale, personne ne parle. Cyril Bojiko, il est absent. Sud FM, absent. ABK Radio, absent. Le massacre de Ngarbou, les ONG avaient arrosé les médias. Tous les médias, la presse écrite, on les avait arrosés. Voilà un massacre. 30 personnes assassinées, 10 mineurs enlevés. Journalistes internationaux, personne n'en parle. Ce n'est pas une information. Ce n'est pas important. Les influenceurs web, personne n'en parle. 30 personnes assassinées à Batibo. Batibo, Koui, Bourougoué, blogueurs nationaux, personne n'en parle. Eh Seigneur, ils vont accuser Paul Biya. Et... Okay.
les politiciens, bouche fermée. Les avocats, la seule information qu'on a su nous donner, c'est pour nous dire, on nous a dit que non, vraiment de Dieu, le président Tshisekedi a choisi comme son avocat personnel, Maître Akere Mouna. Oh Seigneur, aie pitié d'eux. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Quand nous parlons ici, on nous dit non. Les défenseurs des droits humains, ils sont silencieux. Personne ne parle. Woman Watch World, Madame Allegroni, elle n'a plus de parole. Elle a avalé sa langue. 30 personnes assassinées à Batibo. C'est malheureux. Loreda, bouche cousue. Crisis Group, bouche cousue. Oxfam, bouche cousue. Ocha, bouche cousue. HNCIR, bouche cousue. Center for Human Rights and Democracy, bouche cousue. Amnesty International, bouche cousue. 30 personnes assassinées. RFI, il est devenu mieux. BBC, sous mieux. Nouveau droit de l'homme, Madame Péchon, elle n'a rien vu. Monde à venir, rien vu. Dynamique citoyenne, rien vu. Et vous croyez que quand nous voyons ça, Jean-Bruno Tagne, et vous, tu te demandes qu'on parle, on sort, on part marcher. Pardon, on connaît notre bourreau. On connaît quand notre bourreau dort. On connaît quand notre bourreau est éveillé. On connaît tout ce que notre bourreau fait. C'est pour ça qu'on peut, on le préfère. Voilà. Tu n'as pas fait une vidéo. Pas de reportage. Vous voulez qu'on fasse quoi? Paul Biya va mourir là-bas. Je vous dis, il va mourir là-bas. Il ne quitte pas. Quand vous avez un bourreau, vous connaissez à quelle heure le bourreau mange, vous connaissez à quelle heure le bourreau se repose, vous connaissez tous ses faits et gestes. Ouais, non. Il peut même faire 2 mois sans nous parler. On sait qu'il est là. C'est vu, non? Nous, on sait qu'il est là. Hein? Il peut même faire 2 mois sans nous parler. Dès qu'on voit une voiture aller en Vomoka, on sait qu'il est en Vomoka. Il ne nous dérange pas. Hein? Non. Nous, on l'aime comme ça. Il ne nous dérange pas. C'est un bourreau qu'on connaît. Mais le bourreau qu'on ne connaît pas là, papa, mon frère, il y avait ils appellent ça quoi? Amnesty International et Crazy Group avaient même tourné les satellites comme ça. Le satellite a fait comme ça, image transversale, image longitudinale, image latérale. Pour filmer les prisons, pour filmer tout Garoua. Aujourd'hui, les satellites ont changé de direction. Les satellites ne voient plus Kumbo. Et peuple camerounais, je vous félicite. Je suis fier de vous. Le Cameroun a mis fin aux révolutions de couleur. Voilà un petit peuple qui ne s'est pas fait berner par une soi-disant élite avide de pouvoir. Cette petite élite rêveur qui pense juste à s'asseoir sur la chaise du président. Une petite élite
qui mange tout sur son passage, qui ne connaît pas, que tu... Avec le président Biya, quand il passe même les morceaux de riz tombent, nous on ramasse. Celui qu'on appelle Kamtoula, il est parti voir Mouta en prison. Non. Ça prouve combien de fois il ne peut même pas manger. Ça tombe, on prend. Il mange, ça tombe, il s'arrête, il ramasse. Avec le président Biya, quand il mange même, ça tombe, nous on ramasse. La qualité, c'est là. Non, mon frère. Non. Ça, là, on a bien compris. Nous avons bien compris. Et retenez une seule chose. Il faut que le président Biya vérifie cette histoire des titres foncés de la famille Atangana Maurice. Et la mort, Seigneur. Et Atangana. C'est quand si Atangana vivait. Et à Maurice, regarde. Tu es décédé. Tu as dit à tes enfants, donnez le terrain à quelqu'un pour qu'il construise. Ne vendez pas. Tu vois? Regarde ce qu'on reste fait à ta descendance. Oh, Dieu des morts. Dieu des ancêtres. Frappe-nous ces gens qui n'ont plus de morale, qui pensent que l'argent achète tout. Vous nous confortez dans notre position qui est que le président Biya doit rester là-bas, il meurt. Parce que c'est un bourreau qu'on connaît. Je ne peux pas avoir un bourreau que je connais. Je sais qu'il me tape souvent 10 coups. Quand il me tape 10 coups, il se repose. Il faut même faire une semaine, il ne me tape plus. Que de prendre un bourreau qui va me taper tous les jours, juste à ce que je meurs, mon frère, ça ne marche pas. Monsieur Talon, je ne sais pas ce que tu fais dans mon direct. Voilà, que je te bloque. Monsieur Talon, ce n'est pas le président de la République qui délivre les titres fonciers. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le président Biya. Ce n'est pas le président Biya qui part arracher les pages du livre foncier de la République. Ce n'est pas monsieur Biya. Je ne sais pas si tu comprends ce que je lui dis. Les fonctionnaires du ministère des domaines des affaires foncières arrachent les pages du livre foncier de la République. Tu viens appeler Paul Biya. Je sais qu'il est votre souffre-douleur. Mais mon frère, tant que nous on sera en vie, le vieux là, on va le soutenir. On va sauf que le soutenir. Parce que ce que nous disons, quand des gens arrivent à ce niveau-là, arracher les pages de livres fonciers, tu viens appeler Paul Biassi. Tu vas appeler Paul Biassi. Tu es fou. Tu es normal. Mon frère, il va mourir là-bas. Il va mourir là-bas et ça va faire en sorte que nous, on a compris l'affaire. Donc, c'est le président Biya qui arrache les pages du livre foncier. C'est lui. Bebela. La mort, rien d'autre. Vous allez voir, on va voir s'il va quitter, non? Vous allez voir. C'est la mort. Il ne quittera pas. Son père est mort à 125 ans. Sa mère est morte à 100 ans. Mon frère, donc vous avez encore beaucoup d'années encore. Hein? Son père est mort à 125 ans. Hein? Il faut que je vous rappelle ça. Hein? Sa mère est morte, elle avait 100 ans. Hein? Il faut retenir ça. Hein? Donc, lui que vous voyez là, a étudié là. Il est dans une famille de gens qui vivent long. Nous, on sera contents. Ce sera notre grand-père.
Quand j'étais au Canada, ici là, j'arrive à Yaoundé, je m'en vais le saluer en vous, Papa, je suis venu te voir. Je cause avec lui, il me donne les conseils en tant que vieillard. Mais il est président, ça sera notre président. On va le visiter, mon frère, on met le feu, comme il aime le feu qu'on a mis, on allume le feu du bois là, comme il adore ça là, on part là-bas. Votre cou va gonfler comme ça, ça va seulement exploser. Il va mourir là-bas. On va voir comment il va quitter, non? Nous sommes ici. Jean Bunotan vient nous dire, vraiment, j'ai pitié du peuple qui souffre trop et qui supporte le bourreau. On connaît ce bourreau. Nous, on préfère le bourreau là. On connaît quand il dort, quand il se réveille, quand il va manger et à quelle heure il dort en soirée. Et quand il passe avec sa voiture, ça tombe un peu, nous on ramasse. C'est bon. Nous, l'autre, nous on préfère encore. Hey, mon frère, celui qui vient là, tu prends un bro, il n'est pas encore assis au trône. Il traumatise tout le monde, mon frère. Quand il sera assis au trône, mon frère, il va nous enterrer vivant. Il va nous enterrer vivant. Non. Personne n'a jamais fait ça. Vous trouvez à justifier que des Camerounais arrachent les pages du livre foncé de la République. Vous venez appeler le nom de Paul Biya. Nalemi. Vous pensez que on va vous écouter? On ne pourra jamais vous écouter. Je dis jamais. À jamais on pourra vous écouter. C'est pas comme ça. Vous avez trop menti les gens. À un certain moment, il faut comprendre que les gens, si ils ne sont pas sérieux. Hein. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est
la faute à Fabia. Donc il crie sur mon salaire. C'est la faute à Fabia. Bien allé. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. T'as un gars te touche mal. C'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. C'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te veste. C'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse. C'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent. C'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal. C'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal. C'est la faute à Fabia. Le WC est sale. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Thank you.